Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le coin des jeux et trophées. Dans cette vidéo, on va tester la démo de Resident Evil 3, donc disponible sur le store depuis, je ne sais pas, j'ai pas fait attention à la date. Mais en tout cas, elle est dispo, il sort le 3 avril 2020. Donc là, on est le 22 actuellement. Et là, je vais tenter la démo, donc j'imagine que c'est pas le résultat final du jeu. Quoique, peut-être quand même. Voilà, bah de toute façon il le précise en plus. Il se peut que cette démo diffère du jeu final. Bon, diffère dans le sens où ils ont peut-être pas tout mis non plus. On peut pas sauvegarder, nana, ok. Et en plus le niveau de difficulté est déjà établi, ok, d'accord. Donc c'est comme le 2, hein, au niveau du moteur. On aura les mêmes graphismes, pardon. Donc une claque dans la gueule. Parce que j'ai pris une claque avec Resident Evil 2. Ça se voit déjà à l'instant. Le retour de Jill. Alors pour info, hein, pour les plus jeunes et ceux qui n'ont pas vraiment connu, enfin quoique les plus jeunes ont pu y jouer aussi, hein, ça n'empêche pas de jouer à des jeux rétro. Resident Evil 3, c'était un jeu très très court qui a été fait après le 2. On pouvait considérer que c'était comme une extension du 2. Là apparemment ils ont, comment dire, ils ont amélioré le jeu, enrichi le jeu, on va le dire comme ça. Donc on aura un jeu très long. Avec des points de voyage apparemment, si j'ai bien compris. On pourra se téléporter, voilà, se téléporter sur une carte. Donc peut-être un semi-monde ouvert, on va dire ça comme ça. Un Mister X énervé. Enfin je crois qu'il s'appellera comme ça, Mister X, je ne sais plus exactement. Je me souviens plus trop de son nom. En tout cas, il est très très énervé dans celui-là. Il y aura des esquives. Il y aura un bouton d'esquive. Voilà, toutes les infos que j'ai eues pour l'instant, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas fait le jeu de PS1. J'ai fait le 1, le 2. J'en ai fait pas mal. J'ai fait le 4. Le 5. J'avais fait le Outbreak aussi. Mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'avais pas fait. Donc c'est l'occasion de redécouvrir. J'avais vu quelqu'un jouer à l'époque, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc blindé de référence des années 90. Ça c'est cool par contre, l'affiche là, le 3 avril 2020, Resident Evil 3. Petite pub au passage. Donc d'après ce que j'ai compris, on va avoir aussi... On va avoir des petites affiches références aux années 90. Donc similaire au 2, si vous avez fait le 2, vous n'allez pas être dépaysé. Au niveau des touches, c'est la même chose. Au niveau du gore, on est bon aussi. Au niveau du 4K, on prend une claque dans la gueule. Il n'y a pas d'autre expression. Là, je joue en 1080, c'est assez sombre. C'est vrai que c'est assez sombre, on ne voit pas grand-chose. Je vais voir si je peux pas modifier... Si je peux pas modifier, malheureusement le mode HDR il est pas mis, mais en HDR c'est une tuerie, mais c'est une tuerie. On va essayer comme ça. On va tout mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu mieux. Alors le petit truc en plus par rapport aux deux, c'est l'esquive. Voilà, c'est ça. L'esquive avec R1. C'est de pouvoir esquiver. Ça va être pas mal. Après, on a l'impression qu'il y a un peu plus d'espace que dans le 2. Les niveaux ont l'air un peu plus grands. On peut bouger un peu plus. Jill, c'est Carlos. Il est sorti
sortie de la station ? Presque. C'est quoi le plan, alors ? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Alors, les fameuses plantes, voilà, combinées. Ça craint. L'inventaire, ça craint quand même. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on a le couteau, on a le pistolet. Ah, ça va être le moment de tester le mélange d'herbes. Alors, on peut combiner. Mais c'est magnifique. Est-ce que je peux combiner ça? Oui, ça fait des balles supplémentaires. On va combiner avec celle-là. On va mettre tout ce qui est soin en bas et tout ce qui est arme vers le haut. Alors perso, j'ai déjà fait le début de la démo. Mais ici sur la table, il y avait une espèce de petite statuette, un peu comme les... mince, je perds mes mots. Les mini personnages, ça va me revenir. Enfin bref, avec leur grosse tête là, les... C'est pas grave. En gros, il faudra tirer dessus et il y aura un trophée, probablement comme dans le 2. Il faut les trouver, ils sont cachés dans les... dans le décor. Donc on a toujours les safe rooms aussi. Alors on va pouvoir stocker du matériel et le retrouver dans n'importe quel safe room normalement. Voilà, les pop, c'est ça, c'est les pop, ça me revient. Un peu comme les pop, exactement. Il y a encore des survivants, faut qu'on fasse repartir ce métro. Oula, je bousille des balles pour rien. Espèce d'enfoiré. On va vite se barrer. Voilà la fameuse esquive. Je crois que ça va être très utile par la suite. Alors, je peux pas les attaquer. Carlos, dans la rue principale, au Jaillou. Tu vois une tour de transmission ? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça te fait en feu ? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Et apparemment, si j'ai bien compris, ils vont faire un mode multijoueur aussi. Donc ça, ça reste à tester. Je testerai sûrement le jour de la sortie. S'il est disponible, bien sûr. Donc là, j'ai rien pour l'éteindre, forcément.
Est-ce que je peux faire péter le baril? Yes. Ah, enfoiré. Comme par hasard, elle va pas être infectée. Oula, elle est mal en point en tout cas. Est-ce que je peux... On va prendre l'herbe de mélange. Y a-t-il quelque chose ici? C'est embêtant, il n'y a pas de lampe torche. Mais va te faire foutre! D'accord, donc ça c'est pour revenir. Truc là, poudre noire. Bon, il y a quand même des balles. Je dois être en facile ou normal. Parce qu'on n'a aucune info sur le niveau de difficulté. En tout cas, j'avais adoré le 2, j'avais adoré le faire en speedrun, tout ça. Il était vraiment excellent. En plus, on pouvait jouer avec Claire ou Léon. Et ils avaient des armes différentes. En plus, ils avaient des campagnes un peu différentes. C'était à peu près pareil, mais ils passaient pas par les mêmes endroits. Il y avait des coffres aussi, bien sûr. Avec du matériel particulier pour équiper les armes. Ah, ça y est, quand même, il y a une lampe torche. C'est dommage, on peut pas l'utiliser un peu quand on veut. Bon, lui, on va quand même retirer dessus. Des balles. Alors, qu'avons-nous là? Alors, on a un petit zombie, ouais. Quand même quelque chose. Bon, ce qui est cool, c'est que je trouve quand même pas mal de munitions. Ça, c'est assez agréable. Bon, je tire comme une merde, mais... Bah oui, forcément. Mais ils me font chier.
De la poudre supérieure. Carrément. Il va y avoir un truc ici, c'est obligé. Par contre, j'ai l'impression que je suis un petit peu paumé. Je la trouve pas cette... J'imagine que c'est une manivelle ou un truc comme ça que je dois trouver pour activer la borne à incendie. On va passer par là. D'accord, donc je peux peut-être passer là. D'abord aller visiter un petit peu. Allez, venez les petits gars. Allez, venez par là. Pas mal de choses à visiter, hein, mine de rien. À tel point que je sais pas où aller. Donc là, non. C'est sûr, ça ne passera pas. On va aller là. Moons Donuts. Alors là, il y a des zombies, c'est certain. Genre, il y a des cartouches un peu partout, quoi. C'est vachement logique. Oh oh. Ah oui, mais d'accord. Tout se rejoint, en fait. D'où le côté monde ouvert. La safe room. La fameuse safe room. Donc ça, forcément... Le coupe-boulon, c'est logique. Voilà, on peut stocker. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner. Et d'accord, fusil à pompe. Que je n'ai pas, bien sûr. Donc là, ok. Je vais essayer d'aller visiter par là. Oh, c'est quand même bien glauque. Oh oh. D'accord, donc j'avais vraiment besoin de ça. Voilà, donc les fameuses statuettes dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, il faut les trouver, elles sont planquées dans le décor. Il y en a qui sont vraiment bien planquées. Une grenade que je ne peux pas prendre. On va combiner. Voilà. On va voir ce qu'il y a dans le casier numéro 2. De la poudre noire. Et voilà, je peux plus rien prendre, c'est super. Oh, fusil à pompe. C'est magnifique. Bon, je vais devoir sacrifier quelques trucs, je crois.
Ouh, je suis obligé de jeter tout ça. Ça prend de la place aussi, non? D'accord. Ah, ça va, ça prend qu'une case, bon. Ça peut le faire. Ou ça fait mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro. Il se passe rien. Ok, bon, on se casse là. Ah, ils aiment le coupe-boulon dans les Resident Evil. Ils adorent ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une grenade. Des munitions. Donc là, pour l'instant, ça va, je suis pas trop saturé d'objets. Bon, on va traverser le Moon de Nuts. Oh, magnifique! Et voilà, je suis dans la merde. Et voilà, bien sûr, mais tout à fait. Mais va te faire foutre, sale con. C'est qui me fait galérer cet enfoiré. Alors. Ah, déjà que dans le 2, Mister X, il me faisait stresser, là, à mon avis, c'est puissance 1000. Bah bien sûr, démerde-toi. Voilà, et puis ils te mettent face à lui, forcément. Ah, merci d'avoir joué. C'est terminé. Bon. Oh, mode normal, ok. J'étais pas sûr, ok. Et bien voilà, de toute façon, il n'y a plus rien à découvrir. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger la démo. Elle fait 8 gigas, je crois. Elle doit faire à peu près 8 gigas. C'est moi mon ressenti, c'est voilà, de toute façon, il était bon déjà dès le départ quand ils l'ont annoncé. Je savais que ça allait être le même moteur que Resident Evil 2, donc vous pouvez être sûr que ça allait être un bon jeu. Et là, maintenant que je l'ai eu dans les mains, je confirme, ça va être un très grand jeu. Ça va sûrement être le jeu d'horreur, voilà, de 2020. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu et à bientôt sur le coin des jeux trophées.